vous faire le compte rendu du communiqué, le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 6 juillet s'est tenu donc un Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et ce conseil a eu lieu de 11h à 13h50. L'ordre du jour de cette réunion comportait, comme vous le savez, des mesures générales au rang desquelles il faut noter un projet de loi et 10 projets de décret, des mesures individuelles, qui sont nombreuses, et 4 communications. En ce qui concerne donc les mesures générales et notamment donc le projet de décret, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI. Ce projet de loi modificatif intervient conformément, vous en souvenez très certainement, aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la Commission électorale indépendante, faisant ainsi droit aux demandes, aux exigences donc des acteurs politiques. En ce qui concerne les projets de décret, le Conseil, comme je vous l'ai indiqué, en a adopté 10. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 8 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt de 15 milliards 315 millions de francs CFA, conclu le 21 janvier 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement, la BOAD, pour le financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou, notamment de la phase 1 de ce programme-là, qui doit s'étendre dans le nord-ouest du pays. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Il s'agit plus précisément de renforcer les infrastructures clés de production dans la région du Wassoulou, de contribuer à l'accroissement des revenus des exploitants agricoles et d'améliorer globalement les conditions de vie des populations. Techniquement, le projet prévoit entre autres la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction de marchés régionaux et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites de production. Les 7 autres décrets qui ont été adoptés portent sur la ratification du mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ratification du mémorandum qui a été signé le 2 décembre 2021 à Abidjan. Et il porte respectivement sur les consultations politiques entre les deux pays, sur la coopération économique et technique dans le domaine des mines, de la géologie et des hydrocarbures, sur la coopération en matière de défense, sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres, sur la coopération dans le domaine de l'emploi, sur la coopération dans le domaine des télécommunications, des technologies de l'information
et des communications, et enfin sur la coopération dans le domaine de la promotion de la jeunesse. Il convient de rappeler que le gouvernement de la République des Côtes d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud ont signé donc en mars 2015 un accord général de coopération instituant une grande commission mixte de coopération ivoiro-sud-africaine. La mise en œuvre de cet accord a induit le 2 décembre 2021 à Abidjan, lors, vous vous en souviendrez, de la visite officielle du président sud-africain dans notre pays, la signature d'un ensemble d'accords de coopération économique et technique, au nombre de 7, dans les différents domaines surmentionnés. Ces accords organisent un cadre stratégique de coopération et de partenariat économique et technique gagnant-gagnant qui consacre l'excellence des relations d'amitié entre les deux pays. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de modification de l'article 4 des statuts de la société d'État dénommée Port Autonome d'Abidjan, PAA en abrégé. Cette modification confie au Port Autonome d'Abidjan la réalisation des opérations d'exploitation rattachées aux activités portuaires dans sa zone de compétence, notamment la gestion de la main-d'œuvre dockère et son utilisation par les entreprises de manutention ou de transit, conformément au décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création de l'aire marine protégée de Grand Bérébi dans le département de San Pedro. Cette terre est d'une superficie de 272 375 hectares et s'étend sur une longueur de 50 km sur la côte. En cohérence avec nos engagements internationaux relatifs notamment à la diversité biologique, l'aire marine protégée de Grand Bérébi est la première d'une série de plusieurs autres en création en vue de protéger durablement la diversité de nos écosystèmes littoraux. Je vais à présent aborder avec vous donc les mesures individuelles. Le Conseil a adopté, au titre donc des mesures individuelles, une communication relative aux délibérations du comité de nomination, le comité restreint, comme nous l'appelons en abrégé, chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels lors de sa session du 27 mai 2022. Ainsi, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, les propositions de nomination des ministères ci-après ont été adoptées. Il s'agit du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, du ministère du Tourisme, du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Évidemment, la liste donc de toutes ces nominations dans ces différents ministères sera publiée par voie de presse et dans le journal officiel. Le comité de nomination a également statué sur les nominations donc dans les établissements publics nationaux et dans les structures sous tutelle.
Ainsi, les propositions des ministères ci-dessous ont été adoptées par le Conseil des ministres. Il s'agit du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, du ministère des Sports et du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Évidemment, comme indiqué plus haut, les nominations donc, dans ces différentes structures seront publiées donc, par voie de presse et dans le journal officiel. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de l'élargissement du champ de compétences de M. Lee Jiru Robert, ambassadeur donc de la Côte d'Ivoire aux États-Unis du Mexique avec résidence à Mexico, près donc la République du Guatemala, la République du Panama, la République du Nicaragua et la République du Costa Rica. Donc, le champ de compétence de M. Lee Jiru Robert donc, sera étendu à ces quatre républiques. Le Conseil a également donné son accord en vue de. A donné son agrément en vue de la nomination de M. Alexei Saltykov en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Le comité de nomination a également donné son accord donc, pour les nominations dans différents conseils d'administration et a proposé donc ces nominations au Conseil des ministres. Ainsi, le Conseil des ministres a donné son accord en vue de la nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier, en abrégé SONAPIE. Le Conseil a donné son accord également pour la nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat, en abrégé ANA. Les nominations donc, des membres de ces deux conseils d'administration se sont faites au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Au titre toujours du ministère du budget, du portefeuille de l'État, mais cette fois-ci en liaison avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des membres du Conseil de surveillance de l'Agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire, en abrégé Agence, ou plutôt dénommée Agence Côte d'Ivoire Export. Toujours au titre de ces deux ministères, le Conseil a donné donc son accord en vue de la nomination des membres du Conseil d'administration de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, en abrégé SOGEDI. Comme je l'ai indiqué, la liste de ces nominations des différents membres donc, de Conseil d'administration de ces différentes sociétés sera également publiée donc par voie de presse et au journal officiel. Après ces mesures individuelles, le Conseil a adopté quatre communications dont je vais vous donner le résumé. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine
et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, en abrégé AFRA, révisé le 20 septembre 2019 à Vienne, en Autriche. L'AFRA, entrée en vigueur en avril 1990, a été négociée par les États africains avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, notamment en vue de renforcer et d'élargir la contribution de la science et de la technologie nucléaire dans les programmes et projets de développement socio-économique sur le continent africain. L'accord a été révisé en avril 2020 en vue d'assurer la pérennité de ce cadre de coopération interafricaine. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cet accord révisé. La deuxième communication est relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains sur le programme de l'Association internationale de développement, IDA 20, prévu le 7 juillet 2022 à Dakar. Il en ressort que le groupe de la Banque mondiale, à travers IDA 20, entend accompagner les pays africains fortement touchés par les changements climatiques, la pandémie de la COVID-19, les niveaux croissants d'insécurité et plus récemment par l'impact de la guerre en Ukraine, à renforcer leur politique de riposte et de développement économique du continent. Une délégation nationale de haut niveau, conduite par le vice-président de la République, prendra part à cette importante rencontre. Au titre du plan et du développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au compte rendu du groupe consultatif sur le financement du plan national de développement PND 2021-2025, organisé le 15 juin 2022 à Abidjan, en partenariat avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et le système des Nations unies. Il a bénéficié également de l'appui d'autres partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, ainsi que de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. À cette occasion, les différents bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ont réitéré leur disponibilité à accompagner notre pays à travers des investissements innovants et structurants pour l'aider à réaliser ses objectifs de développement avec à l'appui des déclarations d'intention de financement exceptionnelles. Au total, les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élève à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. En outre, les investisseurs privés nationaux et internationaux sont massivement venus exprimer un intérêt particulier pour les secteurs porteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les mines, le pétrole et l'énergie, l'industrie, les télécommunications, l'hôtellerie et le tourisme, les travaux publics et les secteurs bancaires et financiers. Les négociations se poursuivent pour la signature d'éventuels partenariats public-privé. Le Conseil s'est félicité du franc succès de cette opération et a salué cette mobilisation exceptionnelle des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que de nombreux investisseurs privés, tant nationaux qu'internationaux, autour de notre pays et de la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires à tranche supérieure à l'horizon
2030. Au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat de 2021, réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021, suivi de l'enquête post-censité qui s'est déroulée du 17 mars au 10 avril 2022. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%, et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. La répartition de la population vivant en Côte d'Ivoire selon les sexes révèle une population composée à majorité d'hommes, avec un effectif de 15 344 990, soit 52,2% de la population totale, compte un effectif de 14 044 169 pour la population de sexe féminin, soit 47,8%. À l'analyse dynamique de la population, donc l'analyse dynamique de la population, révèle un taux de croissance démographique moyen annuel de 2,9% entre 1998 et 2021, en constante baisse comparativement aux différents recensements précédents, soit 3,8% en 1975, 3,3% en 1988, je reprends ces chiffres, excusez-moi, soit 3,8% entre 1975 et 1988, 3,3% entre 1988 et 1998. Toutefois, la population de la Côte d'Ivoire demeure encore très jeune, avec 75,6% de la population totale qui a moins de 35 ans. Le recensement général de la population et de l'habitat, le RP 2021, prendra définitivement fin avec la production des répertoires de localité, les rapports thématiques, les monographies régionales, les atlas socio-démographiques et l'anonymisation et l'archivage des données. Cette phase est prévue se dérouler jusqu'à mi-2024. Mesdames et messieurs, ce sont là les communications qui ont été adoptées, mais le Conseil a enregistré également des points de divers, notamment 4 points de divers. Il a s'agi d'une communication de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sur les résultats du BEPC. Ces résultats donnent cette année un taux dans 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%. Le deuxième point de divers a concerné la question donc de la cherté de la vie. Prenant la parole, le chef de l'État s'est montré préoccupé par la conjoncture économique mondiale, due essentiellement aujourd'hui à la crise russo-ukrainienne qui entraîne partout dans le monde une augmentation du coût de la vie. Le chef d'État a salué les mesures à court, moyen
et long terme qui ont été prises par le gouvernement afin de maîtriser le taux d'inflation donc dans notre pays, notamment en ce qui concerne certains produits de première nécessité, de sorte que notre pays s'en sort aujourd'hui avec un des taux d'inflation les plus faibles depuis le début donc de cette crise. Nous avons un taux d'inflation qui est estimé entre 4 et 5 %là où certains pays sont à 17 voire 27 % de taux d'inflation. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien, pour protéger donc, je dirais, la vie des citoyens et améliorer leurs conditions de vie. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super. Le troisième point de divers a consisté à l'annonce de la rencontre que le président de la République aura avec les deux anciens chefs d'État, que sont donc les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié, et cette rencontre est prévue pour le 14 juillet. Enfin, le quatrième point a concerné donc les contacts qui ont été pris avec la Côte d'Ivoire en vue de permettre la participation de l'ancien président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, au processus de réconciliation qui a lieu actuellement au Burkina Faso. Les dispositions sont donc prises à la suite des contacts que le président du Burkina, le chef de l'État qui dirige la transition, le lieutenant-colonel Sandaogo Bamida, a eu avec la Côte d'Ivoire. Donc, à la suite de ces contacts, des dispositions sont en train d'être prises afin de permettre au président Compaoré de participer au processus de réconciliation qui est engagé dans son pays. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu de ce conseil. Et je me tiens, bien entendu, comme cela est de tradition, à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement. Je suis à votre attention. Venez au micro pour les besoins de la transmission, sinon ceux qui suivent la transmission n'entendront pas votre question. Bonjour, Monsieur le ministre. Jules Egenda, du journal RTCI.info. Tout à l'heure, vous avez abordé encore la question de la cherté de la vie. Avant de venir ici, je suis passé dans un supermarché pour faire le constat également. Il se trouve que les prix, on a parlé de plafonnement, mais ces prix chaque jour grimpent. On ne peut pas mesurer ce plafonnement. J'en avais parlé la dernière fois, si on pouvait avoir une idée du plafonnement. Parce que non seulement les prix flambent, mais le poids de ces produits-là ont considérablement diminué. Je prends l'exemple du savon et du sucre. Le sucre roux, qui est 1 kg, est passé à 750 kg le kilo, et 750 grammes. Et pourtant, le prix est à 890 francs, là où c'était 635 francs. Le savon également, pour ne pas faire de la publicité, a connu, au lieu de 400 grammes, c'est passé à... Le poids n'est pas mentionné dessus, mais le format grand est écrit grand à côté de là, alors que ça fait la moitié de ce savon que nous avons l'habitude de payer. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut faire pour la population ? Merci pour cette question. Le gouvernement a pris des dispositions.
Le gouvernement a annoncé les produits dont les prix ont été plafonnés. Le gouvernement a mis à la disposition des citoyens que nous sommes tous des numéros verts pour pouvoir non seulement se renseigner sur toutes les mesures qui ont été prises, mais également dénoncer tous les cas de non-respect de ces mesures. À ce micro, à plusieurs reprises, j'ai appelé au contrôle citoyen. Moi, je déplore juste qu'on ait pris toutes ces dispositions, qu'on ait mis à disposition des numéros, qu'on ait mis des sites Internet à disposition et que ce soit quand il y a conseil des ministres, que le porte-parole est là, que l'on dénonce ces problèmes qui peuvent être dénoncés de façon quotidienne. J'ai appelé ici au devoir citoyen. C'est de notre responsabilité que de dénoncer les fraudeurs, parce que malheureusement, il en existe. Le ministère du Commerce est en train de développer le contrôle. Le ministère du Commerce a déployé ses agents et nous avons pu voir qu'il y a eu des cas de saisie, des cas de fermeture, des sanctions qui ont été prononcées contre certains commerçants qui ont voulu tricher avec la loi. Mais ce contrôle, il est permanent. Nous devons exercer notre contrôle citoyen en dénonçant tous ceux qui fraudent. Il faut que nous changions complètement de mode de réflexe, de pensée. Vous savez, en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, on avait une forme d'indifférence devant les problèmes qui nous touchent tous. Dès que quelqu'un voulait parler, on lui dit « Ah, bon, tu veux verser du sable dans son attiéké ?» Mais bon, c'est un mode de pensée qu'il faut dépasser. Il faut que nous acceptions de comprendre que dénoncer, ce n'est pas faire de la délation. Dès qu'il y a une situation que quelqu'un veut parler, on dit « Ah, yeux voient, bouche parle pas ». Mais ces proverbes citoyens là que nous employons là traduisent un état d'esprit. Pour celui qui est zélé au travail, on lui demande si c'est plantation de son papa. Il faut qu'on arrête ça. L'Ivoirien nouveau dont le président parle, mais cet Ivoirien nouveau, il doit aussi changer de mode de réflexion. On ne peut pas refuser de verser du sable dans la tchèque de quelqu'un qui verse du gravier dans notre tchèque collectif à tous. Il faut que l'on change. Il faut que l'on accepte d'exercer nos droits citoyens et il n'y a aucune honte à dénoncer un fraudeur. La fraude ne doit pas être la norme. C'est peut-être une digression, mais j'ai été choqué, moi, de voir que, au cours de l'examen du BEPC, la police a dû escorter les élèves d'un établissement qui a refusé de céder à la fraude. Et ils sont sortis sous les huées de leurs camarades. C'est-à-dire que dans ce pays, quelqu'un qui refuse de tricher, il est hué. C'est ce qui doit changer. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que il faut que nous acceptions de changer. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de la communication de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais la fraude est allée grandissante dans notre pays. Heureusement, il y a une chute sur l'année 2021. Et avec donc la vidéosurveillance, nous sommes persuadés, puisque le bac n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas avoir les statistiques nationales, nous pensons qu'il y aura encore une plus forte chute sur l'année 2022. Ça ne doit pas être la norme et on ne doit pas attendre, quand on est journaliste, que l'on traduit une certaine opinion, que l'on est là pour former aussi l'opinion, on ne doit pas attendre le micro du porte-parole pour poser les problèmes, pour dénoncer les fraudeurs, parce que malheureusement, il y en a dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Le gouvernement continue à faire les efforts. Et ces efforts, ils sont là. Sur le pain, c'est 6 milliards de subventions par mois que l'État apporte. Mais ça ne doit pas aller dans la poche des fraudeurs. C'est inacceptable que cet effort aille dans la poche des fraudeurs. Nous avons collectivement une responsabilité. Suivante.
Bonjour Pierre Pinto, RFI. J'ai trois questions sur le Conseil, si vous permettez. Ça en fait beaucoup. La première concerne la rencontre du président de la République avec ses deux prédécesseurs le 14 juillet. Est-ce qu'on a l'ordre du jour de cette rencontre, des discussions? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Autre question sur le voyage de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Est-ce que la Côte d'Ivoire, dont Blaise Compaoré est désormais un ressortissant, a reçu des assurances sur le fait qu'il ne serait pas arrêté au Burkina, où il a été condamné en son absence il y a quelques semaines? Et est-ce que, d'ailleurs, vous avez des informations sur la date précise de ce voyage? Et puis une dernière question sur ce que vous venez d'évoquer, le taux d'admission au BEPC, donc 28 et quelques pourcents cette année contre 41 l'année dernière, il me semble. Comment est-ce que vous expliquez cette chute? Est-ce que c'est notamment dû à cette lutte contre la fraude que vous évoquiez à l'instant, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont été évoquées au Conseil? Merci. Merci. Alors, sur la première question, en ce qui concerne la rencontre que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aura avec donc les deux anciens présidents, je n'ai pas d'ordre du jour. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le chef de l'État parle régulièrement avec donc les anciens présidents. Ils se parlent déjà par téléphone. C'est important que les Ivoiriens le sachent. Mais il était aussi important, puisque c'était un des souhaits donc du dialogue, que cette rencontre, du dialogue direct, du dialogue politique, je dirais, donc que cette rencontre ait lieu. Donc c'est dans ce cadre-là que cette rencontre aura lieu. L'ancien ordre du jour, pour des personnes qui se parlent assez régulièrement, je ne peux pas vous dire quel sera l'ordre du jour qui sera adopté, et s'il y en a un. Il faut juste mettre cette rencontre dans le cadre donc, des recommandations du dialogue politique. Pour ce qui est du voyage du président Blaise Compaoré, je vous indiquais que le Burkina s'est engagé dans un processus de réconciliation nationale. Et il y aura donc une rencontre, d'après ce que nous avons compris, avec tous les anciens présidents. Et le président Blaise Compaoré est un ancien président donc, du Burkina. Il s'y rend dans le cadre donc, de ce processus de réconciliation. Pour ce qui est de la date exacte, je ne saurais vous le dire. Il faut peut-être voir à quelle date aura lieu donc, cette rencontre. Mais toutes les dispositions sont en train d'être prises, comme j'ai dit, pour que le président Blaise Compaoré participe activement donc, au processus de réconciliation qui est engagé au Burkina Faso. Pour le taux d'admission, les résultats viennent à peine de tomber, les résultats donc, du BPC. Il y a tout un ensemble d'analyses donc, qui est en cours pour pouvoir comprendre donc, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, pour comprendre de façon fine à quoi est due donc cette chute. Probablement à la fraude, puisqu'on a vu qu'il y avait aujourd'hui donc cette vidéosurveillance. Ça peut être une des causes, mais nous ne pouvons pas affirmer que c'est la cause. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Olivier Dion pour le quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Ma question est relative à la commission électorale indépendante. Une modification a été effectuée au cours de ce Conseil des ministres. Je voudrais savoir si ces nouvelles personnalités qui vont faire leur entrée sont déjà connues. Merci. Comme c'est juste aujourd'hui que la modification a été faite, donc, permettez que cette modification soit actée parce que c'est un projet de loi qui a été adopté donc, par le Conseil. Donc, il faut que cette loi en elle-même donc, soit adoptée et à partir de ce moment, donc, les nominations des différentes personnalités se feront. Nous n'en sommes qu'au début du processus.
Vous connaissez notre processus, hein, les projets donc passent au gouvernement, ils sont ensuite transmis à l'Assemblée, et tant que l'Assemblée n'a pas voté la loi, elle ne peut pas rentrer donc en vigueur. Question suivante. Bon. Question d'actualité. Les questions d'actualité rejoignent un peu les questions donc, qui ont été évoquées lors de ce conseil. Donc, je peux comprendre que nous n'en ayons pas de façon spécifique. Je voudrais en tout cas vous dire merci pour cette attention. M'excuser auprès de vous pour cette longue attente que vous avez dû subir. Il fallait que je trouve une solution pour toutes les nominations. Elles seront publiées donc par voie de presse parce qu'il y a eu beaucoup de ministères qui ont procédé à des nominations. C'est plusieurs centaines de noms. Ça aurait été rébarbatif que je vous fasse subir donc la lecture de toutes ces nominations. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.